Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara, live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On va aller chercher du coton. Coton puis du fil. Faut que je vende des choses, je commence à manquer. Salut Gary, c'est Chiki. Félicitations pour ton cheminement. Ça va bien? Bon, l'attente est créée. Tu vois mon chiki, ça fait longtemps. Bon, on va voir la femme. Elle a dit lorsque j'aurai une tente et un sac de couchage, j'allais la voir. Nous devons enquêter sur les manigances des légendes au plus vite. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Très bien d'améliorer les outils une fois de plus. Non, c'est très important. Arrêtez de me faire perdre mon temps. L'ami dit que je suis Yaya Aku. Que pensez-vous de s'y comporter comme capitaine? Comme Luna, dites-moi une bonne fois pour toutes. Comment faire pour affronter les élites? Tu n'es qu'une enfant ignorante. Tu ne sais rien de ta grand-mère. Rien de Mara ou de moi. Alors va-t'en et reviens jamais. Et vous serez de nouveau toute seule. Ce serait mieux, quoi. Bien mieux. Je sais que les autres pensent de moi. Je suis une ratée.
comme si j'étais devenu inutile après l'accident de la marine. Alors laisse-moi tranquille, Duna, je ne sais pas de quel accident vous parlez, mais je suis là pour vous aider. Je ne veux pas ni ton aide. Je n'ai besoin de l'aide de personne. J'ai plus de 100 ans. Petite, je t'interdis de me traiter comme un enfant. Pars d'ici, et je ne reviens pas. Je vais aller parler à Samy. À qu'est-ce que tu joues maintenant, mon ami? J'ai acheté le 21, ça fait des années, j'avais un an ou deux, j'ai pas joué, puis j'ai joué comme 3-4 fois, puis j'ai arrêté. Je joue à quoi, FIFA Ultimate? Je joue à aucun Far Cry. Est-ce que tu avances dans la mission? Pas vraiment, non. Duna n'est pas facile, n'est-ce pas? Il y avait que ta grand-mère qui parvenait plus ou moins à la calmer. Elle agit comme toi. Exactement. Je suis encore accro à GTA Online, c'est bon. La patience n'est pas toujours suite au quido comme celle. Duna est peut-être énervée, mais elle est une navigatrice comme moi et il y a bien une chose à laquelle on tient, c'est Mara. J'ai entendu à la radio que le grand arbre Alès est malade. Il a contracté une maladie à cause de l'eau contaminée par les élites. C'est un arbre gigantesque qui pousse au milieu de l'océan. Nous l'avons baptisé le Grand Poivre. Tu pourrais y aller attraper un poisson. S'ils sont vraiment malades, tu pourrais le montrer à Duna. Ça semble bien loin. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'à là-bas avec mon bateau. Il y a un temple à mi-chemin entre ici et l'arbre. Si ton bateau carbure au malade, des fontaines, tu pourrais y remplir ton réservoir et y arriver sans problème. D'accord. Pour résumer, je dois aller au temple, remplir le réservoir, atteindre l'arbre et pêcher. Message reçu. Je suis pas sûr que je peux me rendre jusqu'à là.
Putain. Ouais, est-ce que tu aimes la musique? Bien sûr. J'adore avoir plus d'instruments. Ça, ça serait super de créer des instruments. Tu peux vous aider. J'ai le plan pour fabriquer un tambour pom-tom. Ça a l'air un peu compliqué. Prends ton temps. Je ne suis pas pressé. D'accord.
Que ce que je pensais, il est une véritable menace pour Mara. Est-ce que tu veux rentrer chez toi? Est-ce que ce grand arbre était ta maison? Ou je comprends mieux pourquoi tu détestes tant les élites? Ça doit être triste pour toi, pauvre Napo. Tu as terriblement souffrir. Nous devons les vaincre. Tu dois convaincre Duna. Ne t'en fais pas, je vais m'en charger. Je reviens dans deux, trois minutes. Petite, c'est la deuxième fois. Écoute-moi, Duna. Mara est menacée. Ils lui font du mal. Vous avez tout. Vous avez pour devoir de l'aide. Regardez, c'est un poisson. Il est très malade à cause des élites. Voilà ce qui les inflige à l'océan. Je vous en prie, Duna. Je suis en danger. Les vents de Mara sont contre moi. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Lorsque la grand-mère a quitté la marine, tout a changé. Je suis resté, j'ai poursuivi mon engagement. Je voulais continuer d'aider tout le monde.
J'ai fait une erreur qui a provoqué un accident. À cause de cela, le navire entier a explosé. Oh, j'en suis désolé. Ne fuyez pas vos erreurs. Vous devez les accepter et réessayer. C'est Yakauna qui m'a appris ça. À quoi bon rester enfermé ici? J'évite les contacts avec les autres. Qu'avez-vous à perdre? Rien. Vous allez perdre Mara, tout le monde la perdra si vous ne vous impliquez pas. Peut-être, je ne te supporte plus. Tu es une louve de mer, bien têtu. Je vais t'aider. Je suis une ingénieure nautique. Je peux faire en sorte que ton bateau aille plus loin en n'importe quel autre. Je vais adapter ton bateau pour que tu puisses tirer mieux parti. L'énergie de Mara, tu seras aussi rapide que les vents de Mara. Je vais enfin devenir une véritable navigatrice. Tu sais quoi, Narukoa? J'avais oublié quelque chose. Quoi donc? Lorsque ma frustration me faisait perdre patience, la grand-mère venait frapper à la porte de ma cabine jusqu'à ce que je l'ouvre. Elle me regardait dans les yeux, puis elle souriait. Elle faisait ça chaque fois qu'elle savait que j'allais exploser, chaque fois que je faisais une erreur. Akuna ne s'énervait pas contre moi. Elle arrivait toujours à me convaincre d'essayer. Ça faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas frappé à ma porte. J'avais oublié tout ça. Peu importe mon camp, mon plan à coalise pour qu'on puisse préparer ton bateau. C'est comme si c'était fait. Et où satané bateau là?
Ah, oh, c'était là. C'est bon, il y avait une fontaine, je savais même pas. Bonjour, quoi, tu as de nouveau travail pour moi? Oui, je dois à nouveau améliorer mon bateau. Voyons ce que ce concept est super. Laisse-moi un peu de temps pour l'étudier, j'aurai besoin de matériaux. Problème, je vais aller chercher. Ah non, en attendant. M'appelle. Est-ce que vous savez quelque chose au sujet des élites? Ah, c'est Jean Violet. Un d'eux est venu ici il y a quelques années, un grand type costaud aux cheveux lents. Il avait un beau manteau. Ah, c'est vraiment beau. C'était un manteau magnifique. Il était accompagné d'une fille plus jeune. Ils ont posé des questions au sujet des fontaines, de l'océan, de ce genre de choses. C'est des gens étranges, mais très polis. Je suis sûr qu'Edegen a plus d'informations. Il est toujours en train de manigancer quelque chose. Je vois, je vais aller interroger pour l'instant. J'ai une idée, apporte-lui de la glace à l'orange. Tout le monde est plus sympathique avec en mangeant une glace. Je vais aller créer de l'encre en attendant.
Bon, allons voir le banquier. Bonjour Edegan, est-ce que vous voulez un bâton de glace? Non merci, je n'aime pas la glace, je n'aime pas les friandises en général. Qu'est-ce que tu veux? Vous savez quelque chose chez les élites? N'est pas poli, petite. Si tu veux des informations, tu dois m'apporter un cadeau. Je vous ai apporté une glace, il faut un véritable cadeau et ne t'avise pas de salir le sol avec ça. Edegan, pourriez-vous me dire ce que vous savez au sujet des élites, s'il vous plaît? Non, ce sont des personnes très sérieuses, très respectueuses. Leur travail sur l'île et dans Mara tout entière pourrait être très bénéfique. Nous devons attendre nos investissements. Il n'y a pas mieux que pour nous aider. Ils se connaissent énormément en affaires et tout et pour tout sur cette île. Il n'y a que 40 maisons et elles sont toutes en mauvais état. Quand on les laisse venir pour qu'ils reconstruisent tout, ça peut attirer davantage de touristes et d'argent. D'accord, très bien, merci beaucoup. Ça suffit, oui, c'est très bien. Vous n'avez pas non plus me remercier, c'est inutile. Non, si un plan de retraite m'intéresse, alors ferez-moi des efforts. Je ne crois pas que ça m'intéresse. Alors, ça sort de cette banque. Il y a des gens qui attendent, il n'y a personne. Est-ce que tu aimes les cadeaux? Bien sûr que oui, comme tout le monde. Il était passé et tu m'as donné ça. Je n'en veux pas, ça t'intéresse. Ça vient de cette élite odieuse, je ne préfère pas. Eh bien, je dois m'en débarrasser, quoi qu'il arrive. Je pourrais jeter pour vous. Oui, jette-le. Attends, j'ai aidé mon père à la banque. Tu fais toujours des courses pour les autres, n'est-ce pas? Ce sont vraiment pas vraiment des courses, je rends service aux gens, c'est tout, j'ai besoin d'aide. Avec quoi? Mes caches officielles de la marine est cassée, je peux plus fabriquer de billets, il en faut un nouveau, peut-être qu'Aquila peut t'en trouver un. Je veux bien aller lui demander, c'est mon meilleur client, mais je ne vais pas le déranger. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu veux encore? Monsieur Deguin voudrait savoir si vous avez un cachet de la marine, un cachet? J'en ai un, mais s'il en a besoin, je vais lui faire payer cher. Est-ce qu'il est Deguin riche? Oui, il a beaucoup d'argent et je lui en dois beaucoup. Je dois financer l'expédition de Rigata, ma nièce. Dis à Deguin que le cachet coûte 2000 pièces. Puis quand tu reviendras avec l'argent, je te donnerai le cachet et 20% de l'argent. Ça me paraît bizarre. Ce qu'on appelle les affaires, peut-être. Est-ce que tu as mon cachet? Aquila en a un, mais il coûte 2000 pièces. Quoi? C'est beaucoup d'argent. Et si tu me croquerais, bon d'accord, mais c'est uniquement parce que j'en ai besoin. Bon, on est rapidement, je reviens tout de suite. Tenez, voilà l'argent. Et voilà le cachet des 20%. Je ne sais pas si... Le capitaine Deguin n'est pas à plaindre. Il s'en remettra. Je vais parler, voir s'il n'y a pas une autre mission à me donner. Pas poli maintenant.
Avant de... Et si je... Oh. Miel pour les avoir. J'ai besoin de 3000 cakes. Ah, ouais.
Bon, on a un réservoir ultime. Et le cachet, enfin, je n'ai jamais autant payé. Quelque chose de si petit, on va voir. Ton âge, je les ai montés. Fabricant.
On a ça dans le beau. Thank you.
Boum boum poète poète, salut. IQ, what's up? On va les pêcher. Thank you.
Ah, Carlis. Donc c'était tout pour le jeu Summer in Mara Live, la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!